je te présente Franco Bucci, you know. C'est le champ qui va défendre sa ceinture le 30 novembre au Catacombes. Dans le cadre des Word Up Battle. Mais les gars, juste avant, aussi, shout-out à Fizzy, DMS, qui est dans la place aussi. Mais Sherry Trevi aussi est dans le spot aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est un face-off, un face-à-face. Donc, on a le champion. On va y aller en premier avec Word Up. Mais avant, les gars, je veux juste rendre ça officiel. Non, c'est... Yes! Ah, les sérieux! Yes! D, you guys are ready? Born ready. Word Up X! Le 30 novembre au Catacombes. Yes. Le champion du monde des battle rap, Franco Bucci. What's up? Versus le number one contender. L'icône. L'icône. Mascotte. L'icône. Mascotte. Freddy. Mascotte. Mascotte. Mascotte et MVP. OK, attendez un instant. Mascotte et MVP. Pour les gens qui écoutent, attendez un instant. Pour les gens qui écoutent, on fait un face-à-face. On a le champion et le number one contender qui sont là. Ils vont se parler. Vous allez peut-être avoir l'impression que les gars sont en train de se menacer. Mais non, les gars, ils savent. C'est juste qu'ils sont animés quand ils parlent. C'est pas des messieurs, menaces, c'est des promesses. Moi, je veux juste savoir comment ça va se terminer le 30 au Catacombes. Murder, Bert, body bag. Moi, je suis down. 3-0. Juste je vais murder le gars. 3-0. Ça va être très simple. Le gars, il pense qu'il peut me battre, mais fuck that shit. Mais en réalité, tu vois vraiment un trio, trois rounds de suite. La soirée, c'est le 30 novembre, ça le dit. Trio. Je murder le gars. Moi, je suis un gars sérieux. Je suis pas pour niaiser. Oui. Le gars va dire que je suis plate. I know him. Genre, il va dire que je suis plate, mais regarde mon parcours. Je suis un killer. C'est quelque chose de sérieux. Freddy, toi, tu vois ça comment? Il a absolument raison. Tu vois ça comment, bon, toi? Moi, le 30 novembre, je ne vais pas battre Bucci. Je vais sauver Bucci. Oh! Merci. Je vais le sauver. J'aime Bucci. Je vais le sauver. Mais messieurs, pour les gens qui ne savent pas, c'est un rematch qui se passe là. Oui. Yeah. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qui fait que... La dernière fois, je lui apprenais ses baby steps. Tu sais, quand un père joue avec son fils au baseball, whatever, okay, il va lancer la balle pas trop fort pour que le fils donne son plus gros shit. Donc là, ce que je vais faire le 30 novembre, c'est forger sa métallurgie. Parce que la métallurgie, c'est vraiment important. Il va comprendre le 30. Il ne comprend pas encore. C'est un petit enfant, c'est un petit chien, c'est pas de sa folie. Okay. Tu sais comment c'est les enfants. Hein, mais... Non, je m'approche vers ça. Je n'essaie pas d'avoir aucun parti pris, Freddy. Non, ce n'est pas pour un parti pris. Je suis juste là, je suis vraiment neutre. Moi, je veux juste savoir le champ. Champ, ce que le monde oublie. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton adversaire? Écoute, non, mais je vais répondre à la même question que lui a répondu tout à l'heure. Vas-y, excuse-moi. Ben ouais, il a raison, yo. Ma première fois. Yo, je pense même pas que j'avais hit ma puberté encore, you know. Yo, moi regarde, non plus. Va voir le battle, je fais genre 30 livres de moins, je lui ai pas un poil d'en face, Chris. Mais you know what, je l'ai quand même kill. Je l'ai kill la première fois, m'en bats les couilles. Si tu regardes bien le battle, tu vas remarquer, je suis comme yo, je pense que je sors de la job de nuit, genre. Je pense que je suis sûr. Oh, comme, ça sonne comme une excuse, ça, déjà. C'est pas une excuse. Ça sonne comme une excuse. Est-ce que c'est des excuses, Freddy? Ça sonne comme une excuse, yo. Les gars voient tout comme une excuse. Ça, les battle rappers, ils voient tout comme des excuses. This is like, I'm bragging right now, I'm bragging. Oh, please. Nigga. Okay. Est-ce que les gars, est-ce que. Yo, j'ai même pas fini ma réponse. Yo, il m'a interrompu, j'ai même pas fini ma réponse. Vas-y, ouais, laisse-le pas t'interrompre. Mais ok, c'est vrai, t'as raison. Bon point. Il va me laisser faire ce que je veux. Ce que j'allais dire, c'est que yo, laisse-moi finir, j'ai pas fini. Il va me laisser faire. J'ai pas fini, ok. Parce que c'est ce que je fais avec les petits garçons. Je fais ce que je veux avec eux. Je fais ce que je veux avec les petits garçons. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit décorum, monsieur, s'il vous plaît? Absolument. Vas-y, champ, t'as quelque chose à dire. Le fuck décorum. La première fois, yo. Décorum. Décorum, ça veut dire shut up. Ça veut dire shut up. Shut up, ça veut dire fais-moi down, shut up. Merci, ok. So, il me parle en créole. Tout ce que je sens en créole, c'est déjà le senti, puis get maman, comme il a dit. So, I don't know what the fuck he's Monsieur, je pense qu'on s'écarte un peu de. Ok, ouais, ce que je disais dans le fond, c'est que la première fois, malgré que j'avais même pas encore hit ma puberté, you know, c'est quoi? C'est un gars de genre 30 ans contre un gars de genre 21 ans. J'ai hit ma puberté. Yo, shut up, yo, j'ai même pas fini. J'ai pas fini. I'm like 34 right now. Je sais parler, shut up. Je j'ai même pas fini. Je te demandais de venir, Freddy, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est ça les word up, Freddy fait ce qu'il veut. Ok, ouais, justement, mais il va mourir. Est-ce que c'est Freddy ça qu'il veut? Est-ce que ça donc veut? Je rappelle tout le monde, si vous voulez voir un beau battle
un championnat entre un number one contender et le champion. C'est le 30 novembre au Catacombe. Les billets sont toujours en vente dans le cadre du Word Up Battle. Donc, messieurs, est-ce qu'on s'est entendu sur un temps pour les rounds? Est-ce qu'on va pas avoir du « Oh yo, tu rappes trop long. Non, qu'est-ce qui se passe? Ton round est court. » Yo, yo, yo. J'ai comme... Arnaud m'a écrit le meilleur texte de l'univers. Excuse-moi, tu viens de dire qu'il y a quelqu'un qui écrit tes oui, textes? Oui, oui, oui. Ben en fait, comme... Non, ça, c'est du fake, j'écris, en fait. J'écris mes textes pour Arnaud. Il va tourner à la blague des gens de shit qu'il fait pour de vrai. Pour Arnaud. Mais dans le fond, il fait ça pour de vrai, tu comprends? Fait qu'il tourne ça à la blague. Fait que ce qu'il fait, c'est que ensuite, son opposant, il peut pas en parler parce que le gars, il se vante de ça. Freddy, c'est un gars comme ça, OK? Toute la merde sur lui, il va s'en vanter comme ça. Tu peux pas hit. Tu peux pas hit là-dessus. Fait qu'admettons, le gars, si tu veux pas pouvoir le traiter de gay, il va dire « Yo, you know what? Moi, je suis gay. Moi, est-ce que je peux sucer ton pénis? » Ah, si t'es pour le traiter de pauvre, ce qu'il va faire, tu vas dire « Oh, yo, moi, je suis pauvre. That's my swag. » And you know what? Le gars, admettons, il n'y a pas de perdre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Yo, you know what? Losing, that's great. Losing is the new winning. » Ça, c'est du Freddy. Yo, vous connaissez Vegeta? Le gars, connaissez-vous Vegeta? À chaque fois qu'il y a quelque chose qui sait que sur lui, qui c'est mauvais, mais il va s'en vanter. Mais c'est à cause qu'il est intelligent. Yo, he sounds intelligent. Just like crack. Le gars est vraiment intelligent. À chaque fois qu'il sait quelque chose est mauvais, et là, mais toi, Freddy. This is crazy. Mais en fait, Bucci, c'est le fils de divorce de moi et Crackerstar. Oh, okay. On a divorcé, c'est notre fils que Crackerstar a gardé. Oh, that's ça fait chier parce que les meilleurs textes que Crack avait écrits, genre pour moi, il les a donnés à Bucci. Alors, je dois me contenter des textes que j'ai écrits pour Arnaud, qui a un peu modifié pour moi. Parce que c'est ça qu'on fait, mon père Arnaud. Il écrit mon texte. When I'm done my battle, je le modifie un peu. Puis je le donne à lui, genre. Parce que je suis le roi du recyclage, you know, that's a black people thing. Tu sais, quand dans le temps de l'esclavage, on leur a donné les restants du porc, puis tout ça. Puis avec tout ce qu'il y avait dans le porc, on a fait a bunch of meals et on a fait a bunch of things with it. Je fais ça avec mes lyrics, puis avec mon... C'est pas avoir une liste de moves, genre. Est-ce qu'on peut s'attendre à 3 rounds complets du bon Freddy Gruesome, genre, aucune hésitation, le 30 novembre au Catacombe? Ça dépend, man. Ça dépend. Yo, t'as l'air motivé sur Facebook, en tout cas. Ça dépend, ouais. What? En disant que tu sors déjà des excuses, genre. Comme non. Ça, le lendemain, quand tu vas perdre, tu vas pouvoir dire que yo, t'as écrit la journée même. C'est pas des excuses. C'est-tu ça? J'ai déjà écrit. It's all good. Est-ce que t'as terminé? Je t'ai dit, Arnaud m'a écrit du beautiful thing. Ah ouais, that's beautiful. Great. Yo, j'ai hâte d'entendre ça. Sur Facebook, this is promo, because I got mad shit coming up. Je dois avouer. Je me suis dit, genre, yo, parce que, yo, c'est fucking chiant. Je sais pas si t'as remarqué, genre, comme YouTube. Si tu sors de la musique, mais t'as pas de machine derrière toi, tu passes dans le beurre, man. C'est plus comme avant, là. Tu sais, avant, tu pouvais utiliser le hype du battle rap. Comme même sa vieille chanson de merde qui a sorti, il y a comme 1000 views et quelques. Excuse, like, anybody je vais can te have demander shit. D'être plus respectueux que ça, là. Il y a ouais, mis du temps sur... C'est sa bonne chanson de merde. Sois quand même respectueux. Sa bonne chanson de merde. Je sais si vous vous rappelez, mais yo, admettons, moi, j'ai 11 ans de différence avec Freddy, right? 11 ans? 11 ans de différence, OK? Et puis, il y a 11 ans de ça, you know what? Yeah, it is. Mais laisse-moi finir, petit peu. Écoute, il y a 11 ans de ça, J'ai commencé à Freddy. Est-ce que tu pourrais être respectueux? J'ai commencé à Freddy. Maintenant, tu vas me laisser parler. Merci. J'ai commencé à ça. Il y a 11 ans de ça, yo. Freddy, on savait pas c'était qui. J'ai pas fini. So, yeah, il y a 11 ans de ça, on savait pas c'était qui, Freddy. J'avoue, moi aussi. Moi, yo, that's right. Tu rappes mieux que moi en ce moment, you know what? T'as raison, t'as fucking raison. Mais tu écoute, vas jamais rapper mieux que moi, non? Non, mais écoute, peut-être, mais en tout cas. Tu vas jamais merci, rapper yo, mieux que moi, like, tu, ever. Moi, je vais avec vous, yo, je vais avec vous. Freddy rap fucking bien. Qu'est-ce que ça lui a rapporté? Rien par tout. These things, they take time. Yo, you know what? Yo, moi, je suis fucking jaloux. J'aimerais ça être Freddy, genre. Je sais ça, t'inquiète. Non, j'aimerais ça pouvoir payer du studio time pour un album qui me rapportera même pas. J'aimerais ça. Avec une cape. Je pense qu'on parle de d'autres sujets qui n'ont pas rapport avec le battle rap. J'aimerais qu'on reste dans la ligne directrice. Le 30 novembre. La ligne directrice pour Freddy Gruesome, c'est impossible. Au 30 novembre, le 30 novembre, yo, au Catacombe. J'ai pas besoin de directeur, man. Franco Bucci versus Freddy Gruesome. Donc, messieurs, dernière question avant de terminer. Dis, Freddy, est-ce que tu pourrais dire quelque chose? J'ai Rachid très important à dire, genre. Même les armoires les plus tough ont des hauts et des bas. Même les armoires les plus robustes. Comment qu'on appelle des titties de robots? Robustes! C'est à cause des lignes comme ça que je vais monstrueusement tout détruire ce qui existe dans le battle rap. Est-ce que tu pourrais... Dis-moi un truc positif sur ton adversaire. Il est fucking beau, man. Thanks, look at bro. Him. Thanks, bro. Look at him. C'est pour ça que je ne pouvais pas être méchant. Champion, est-ce que au tu pourrais dire quelque chose sur Freddy? J'avais envie de le cajoler. Ben, moi, ce que je vais dire, c'est premier que... Premier battle. Moi, ce que je vais dire, c'est que... Excuse-moi, Freddy, tu pourrais être respectueux envers le chat. Moi, ce que je vais dire, c'est que...
lui aussi est vraiment beau avec son masque et son wave cap. Parce que, yo, genre, I mean, même un blaster, genre, plus il cache de sa face, plus il est pushant. Bon Dieu, voilà. Yo, non, pour le vrai, yo, si tu veux, j'ai un barbeau sur la rue pour faire ta chasse, hein. J'ai vu tes cheveux sur Facebook. Ok, monsieur. You look like a crackhead. Il me look like a crackhead. Bouti me regarde sur Donc, Facebook. J'invite tout le monde le 30 novembre au Catacombes. C'est un championnat, c'est un match pour la ceinture. Franco Bucci, le champion des Word Up X versus le number one contender, Freddie Gruesome. J'ai parcouru. Jure, ça va être sanglant. J'invite tout le monde à prendre leur billet. Et merci, messieurs, d'être passés sur le coin. J'ai parcouru un parcours parcouru par peu. Par peu. Messieurs, maintenant, il y a un autre... Ok, merci Freddy, Est-ce que tu pourrais laisser la place à Fizzy, s'il vous plaît, et donner la place... Pas de problème. Yeah. On se voit tantôt, les gars, on se voit tantôt.